Coucou, petite vidéo en ce jeudi soir pour vous montrer ce que j'ai fait ce week-end. Je voulais un peu reprendre là avant de me mettre tranquille devant ma petite série et il s'avère que j'y arrive pas. Donc c'est là que vous allez intervenir. J'ai gagné ce kit qui pouvait faire un album. C'est la marque Happy Scrapbooking. Je l'ai gagné au concours de pose scrap. Je m'étais promis de l'utiliser, mais pas en format album. Parce qu'en fait, vous voyez, c'est du carton tout, hein, je vais vous montrer après. C'est du carton comme ça, glacé. Et je ne sais pas quoi faire. Enfin, pour moi, c'est de la couverture et c'est pas des pages d'album. C'est uniquement moi, d'accord? Je n'ai pas dit que c'était une règle. Voilà, c'est ce comment moi je ressens. Quand j'ai eu le kit, je me suis dit, oh là là, mais. C'est pas. Je pourrais pas faire un album avec. Donc, mon idée à moi, c'était de détourner. Et parfois, il se peut que. Enfin, je sais pas, mais moi, j'ai quand même un peu la spécialité dans mon entourage du. Ah, j'ai pensé à toi parce que tu fais du scrapbooking, machin, nia, je t'ai trouvé ça. Vous prenez. La personne, elle est gentille, elle part d'une bonne intention. Et en fait, vous vous ramassez avec un truc genre. Ouais, c'est peut-être des trucs de scrapbooking, mais genre, c'est des papillons, ou je sais pas quoi. Enfin, on en revient avec moi qui ai quand même ma propre touche. Et du coup, on est bloqué. C'est pour vous dire que tout est utilisable. Parce que moi, c'est ce sur quoi vous allez me venir en aide. Vous allez me défier. Là, dans cette collection-là, il y a des papiers, je ne sais pas quoi faire avec. En attendant. Oui, c'est une collection marin. Donc oui, il va y avoir du bleu, mais je n'ai pas le choix. Ça se décline en bleu. Mais c'est surtout que dans cette collection marin, moi, j'ai trouvé des pavés ciment. Voilà, hein. Chacun y voit ce qu'il veut. Donc j'ai fait ça. J'ai mis mon pavé ciment, j'ai mis les perles du kit, le petit papillon que j'ai monté en. Non, je ne l'ai pas monté en volume. Si, que le bas pour qu'il soit soulevé. Là, on a Remember, l'étiquette du kit. Hein. Sans, je vais vous montrer le kit. Il me reste quand même quelques trucs, mais en voulant l'utiliser au maximum. Et j'en ai fait un article de papeterie. Et voilà, avec un stylo noir. C'est bien évidemment, ça aurait été beau avec un stylo bleu. Sauf que, ben voilà quoi, mes stylos bleus, j'en achète pas. Hein. Non, justement, ne m'envoyez pas de stylo bleu. Si je n'en ai pas, c'est qu'il y a une raison. J'ai des stylos bleus. Bic, pour écrire. Voilà. Hop. Ou Nina, que j'ai récapité. Je vous ai remis sa tête. J'ai recollé et je fais attention parce que j'avais décollé la tête. Voilà. Premier article avec uniquement ça et la découpe là du kit initial. Ensuite, on a deux cartes. Ouais, ça ressemble pas à des cartes, mais ce sera des cartes. Voilà, avec les phrases. Ah ben non, celle-là, elle se tient comme ça. Avec les phrases qu'il y avait, hein, les découpes que j'ai matées. Ça, c'est la fleur qu'il y a dans la collection. Une fleur dans les trucs marins. Des fois, je sais pas ce qui leur prend un hein, concepteur de kit, mais bon, un papillon. Et vous voyez, j'ai ces trucs-là, pavé ciment, que j'ai adoré recaler partout, même si c'est marin, même si c'est bleu. Pour moi, entre guillemets, mon propre défi est réussi parce que voilà, j'ai réussi à recaler. Là, derrière, je pourrais écrire sur la carte. Là, honnêtement, c'est très joli. Donc ça m'embête. Et peut-être que je l'enverrai à quelqu'un. Et si la personne elle veut enlever le devant avec ce que j'ai fait comme montage et coller que ce fond-là quelque part, elle peut. Voilà. Ensuite, nous avions une reliure. Il m'en reste un bout. Enfin, un truc pour faire un oui, mais pour mettre. Voilà quoi. Faire des pages. C'était là, relié là. J'ai tout coupé et j'en ai fait des ATC. Voilà. Donc là, celles-là, elles ont des trous parce que le papier avait des trous. Je trouvais ça original d'ailleurs, on a testé des trous. Et on a celle-ci. J'ai monté sur du jaune parce que je trouve que le jaune et bleu, enfin le jaune, hein, pas un jaune criard. Hein. Jaune et bleu, ça s'harmonise plutôt pas mal. Voilà. C'est pas du grand Audrey sans nom, hein, parce que c'est pas ce que j'aurais fait naturellement. Mais enfin, moi, je me suis amusée à me défier. Et voilà. Et je suis sûre qu'on a tous ça. Hein, des cadeaux dont on ne sait pas quoi faire. Bon, derrière, là, le montage, ça, je peux pas. Et vous voyez, ils n'ont pas de nom, les ATC, parce que du coup, je sais pas. Je sais même pas comment les nommer. Donc, ma foi. Ah, tiens, défi numéro 1. Vous allez les nommer, d'accord? Je vais retrouver des noms, ça va m'arranger. Je mettrai vos noms, celui qui me plaît le plus. Hein. Donc voilà. On a celui-là.
On a celui-là, tout beau avec un arbre. Là, on a un truc hope avec des boutons et une perle. Mais ça, ça faisait partie du kit. Hein. Hormis le jaune et le livre, tout vient du kit. Hein. Et c'est le ruban doré sur le truc photo, là, le bloc photo. Voilà. Trouvez un nom. Trouvez-moi un nom sympa à mettre derrière. Et j'ai fait aussi ce petit album. Vraiment très petit. Hein. Il contient 4 photos, à moins qu'on mette des petites photos. Ça, c'est le ruban qui se trouvait dans le kit. Et voilà. Donc, pavé ciment, hein, ce qui s'est fait. Tu touches de rappel là, même si ça, c'est censé être marin. Pavé ciment sur le livre. Là, You Make Me Smile, tu me fais sourire. Vous mettez la photo là. Donc, le pavé ciment, enfin le tampon. On peut le recouvrir à moitié ou en partie avec la photo. Idem, là, un bout de livre, un bout de pavé ciment, un bout de livre, une petite pochette avec écrit Cherish. Pareil, un ticket qu'il y avait dans le kit. Là, là, une petite pochette. J'ai dû avoir un bout de feuille en trop. J'ai pas dû vouloir couper un aussi petit bout. Donc, j'ai maté. Et It was a beautiful day. Oh, c'est une chanson de YouTube, ça. Beautiful day. Bon, bref, je vais pas vous chanter. Et voilà. Là, là, vous avez de quoi enfiler un petit truc. J'ai mis le tag parce que je sais pas où je pourrais le mettre. Avec un bout de livre. Et mettre votre photo. Et voilà. Il s'appelle An Everyday Kind of Wonderful. Mais ça me gêne, le An Everyday devant. Chaque jour... sorte de merveilleux. Fin... Oh, hé, hey, Yann, si tu passes par là, parce que là, je fatigue. Hein. Il est 9h du soir, j'y suis claquée. Et je n'arrive pas à traduire ça. An everyday kind of wonderful. Chaque jour. Mais le an me gêne. An everyday. Chaque jour, un type de chose merveilleuse. Hein. Kind of. Voilà. J'en viens au deuxième appel à l'aide que j'aimerais orienter comme ça. Regardez. Fais un appel. Il reste beaucoup de choses. Enfin, beaucoup de choses. Beaucoup de choses où je ne sais pas me servir. Ça, voilà. Ce motif-là, j'y arrive pas. Je le trouve beau, mais il reste que c'est la mer, des coquillages, du truc. Je sais pas. J'y arrive pas. Du coup, je voulais, entre guillemets, que vous me mettiez au défi. Comme ça... Là, je vous mets cette vidéo-là demain. On sera vendredi. Samedi, je récolte un peu tout ce que vous souhaitez. Qu'est-ce que vous souhaitez que je détourne dedans? Me dites pas tout. Hein. Là, il faut faire un choix. On a une étiquette coquillage. On a une vague coquillage. On a une couverture. On a eh ben, le truc là qui reste des ATC. Une mini-reliure. Couverture, mini-reliure. Une carte bleue. Voilà. Alors ça, une petite découpe dedans. J'arriverai bien à refaire quelque chose avec. Mais voilà. Il me reste deux... Non, le coquillage, ça, c'est moi qui l'ai rajouté. Et il me reste uniquement deux petits boutons bleus, comme ça, du kit. Alors, vous me dites ce que vous préférez. Vous choisissez un élément et pas 12. Parce que déjà, je galère avec ce qui reste. Et ce sera à moi de la travailler. Je ne sais pas comment. Nous avons la carte bleue. Entre guillemets, la reliure, le... Enfin, je vais arrêter avec le mot bleu parce que tout est à dominance bleue dans ce qui reste. J'ai utilisé beaucoup le vintage et le forme pavé ciment. Cette couverture avec des vagues. Voilà, une belle épaisseur quand même. Voilà, cette vague. Que faire avec ça? Je ne sais pas. Hein. Et je ne vous demande pas de me donner une réponse. Vous me dites, tiens, bah prends la vague et puis débrouille-toi. Je prendrai le truc qui a le plus de... Dans vos commentaires, s'il y a 9 vagues, ça sera la vague. Si, voilà, 9 vagues contre une étiquette, bah voilà, je prendrai l'étiquette et je me collerai au défi toute seule. L'étiquette et message subliminal de la mort. La carte lettre qui m'inspire le plus. Ça y est, je vais être honnête, ça m'inspire beaucoup plus. C'est toujours pas utilisé. Hein. Donc, voilà, ça inspire avec ses limites de l'inspiration. Voilà. Voilà pour le petit défi que je vous demande de me lancer. Et si vous avez un nom de l'idée de l'ATC, ça serait merveilleux.
Je vous souhaite donc un merveilleux vendredi. Dimanche, je filmerai parce que vous m'aurez demandé de créer, de choisir et de créer autour. Et vous l'aurez lundi. Et lundi, vous penserez à moi. Parce que je ne suis pas rentrée chez moi. Et pour tous ceux qui se demandent un petit peu, qui ne comprennent pas, je vous parle de la Marne, qui est pour moi la capitale du Champagne, même si nous sommes en Champagne-Ardenne et que... c'est moi, c'est nous, c'est la Marne qui faisons le Champagne. D'accord ? On est un petit peu dans l'Aube, un petit peu dans l'Aisne, mais c'est de l'Annerie, c'est la Marne qui fait. Laissez-moi être chauvin un petit peu. Vous penserez à moi parce que lundi, et pour ceux qui veulent voir à quoi ressemble ma Marne et qui ne comprennent pas trop ce que je raconte, les vignes, le champagne, les vallons, la montagne de Reims, tout ce genre de choses, je pense qu'il y a assez de blabla pendant le Tour de France. Eh bien, regardez l'étape du Tour de France ou la télé parce que, pas pour moi dans la plus grande ville, hein. La plus grande ville c'est Reims, c'est pas Épernay, mais va passer le Tour de France chez moi. Et donc, vous penserez à moi, puisque je serai le dindon coincé. Je suis obligée de passer par cette route pour rentrer chez moi. Et qui me la bloque, ces idiots? Donc, le matin, je peux aller au travail. Le soir, je ne peux pas rentrer. Parce qu'ils débloquent, ils rouvrent les routes à 20h. Donc, voilà. Je suis bien contente. Ça fait de la pub. On nous voit à la télé. On voit le champagne. On voit comme si beau les vallons, les vignes, les trucs. Paysage mondial de l'UNESCO. Mais fermer les routes pour trois clampins qui pédalent, voilà quoi. Même si je ne travaillais pas, je n'y serais pas allée. Je trouve pas ça d'un grand intérêt. Et alors, bloquer les routes pour ça, c'est gentil, mais ou alors à ce moment-là, toute la Marne arrête de travailler quoi. Parce que quand ça passe par les grands axes comme ça, c'est de la connerie. C'est de l'argent à touristes, c'est ce que vous voulez, mais le Marnais qui travaille et qui est obligé de rentrer chez lui à 10h du soir parce que les routes sont bloquées, c'est moyen. Je ne dois pas être la seule à être bloquée par le Tour de France, hein, on est bien d'accord. Jusqu'à présent, je ne sais pas, ça arrivait... Oh, j'ai mis un petit moucheron. Ça arrivait à ne pas gêner la circulation, mais peut-être que parce que je ne faisais pas beaucoup de route. Mais là, que j'ai 60 km pour aller à mon travail... On en a gros. Si, on en a gros. Voilà, c'est ça. Bon, bref, on s'en fout. C'était pour vous dire, si vous voulez voir à quoi ressemble ma Marne, le champagne, les vignes, tout ce que vous voulez, regardez le Tour de France lundi et pensez à moi. Bisous.